Les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais continuer avec l'épisode 5, si je me trompe pas, sur Farming Simulator dans ma série Petit Exploitant. Donc aujourd'hui, bah, comme vous pouvez le voir, c'est plus le Ster comme véhicule, mais je suis passé bel et bien à un véhicule de plus grande qualité. Je suis passé à un Massey Ferguson. Voilà. Donc ce petit Massey bien sympa. Bien sympa. Donc du coup ce que je vais faire, ben je vais moissonner aussi, parce que comme je vous l'avais vu dans le petit off, ben, j'ai acheté la Rostelmash, voilà, la magnifique Rostelmash. D'ailleurs on va aller moissonner avec elle. Je sais pas faire. Voilà, donc franchement niveau largeur de barre de coupe, c'est déjà mieux que la petite case là. Donc je vous remercie d'avoir voté, hein, ça fait plaisir quand même. Mais la Rost a gagné. La New Holland a perdu. Donc du coup, bah, j'ai un autre projet. Là c'était mon projet moissonneuse, j'en ai même profité pour acheter un tracteur. Bon voilà. Mais j'ai un autre projet, c'est d'acheter un nouveau champ quand même, parce qu'il faudrait avoir un peu de rendement. J'ai aussi profité pour m'acheter du nouveau matériel tel que un semoir. C'était le Orch, je crois, je me trompe pas. Et du coup, ce qui m'a permis de quand même d'avoir un peu de quoi le faire. Je crois que je suis arrivé presque à, ouais, je crois que je suis arrivé à 31 cochons. Il va falloir aussi que je m'achète un épandeur à fumier. Et ce qui pourrait être très pratique d'ailleurs. Voilà. Moi j'ai gardé toujours ma presse à balle, j'ai pas acheté une presse non, une ramasse de sauce de balle automatique, je trouve que ça sert à rien. On peut pas mettre assez de balles dessus, donc franchement bah, je suis resté sur le basique. Voilà, donc je cultive ce champ là. Mais je pense que ça va vous saouler parce que j'ai la moisson, on a déjà fait. Voilà. Donc je vais essayer de
de faire des vidéos quand même plus intéressantes et plus variées parce que la moisson, ça j'ai déjà fait. Par contre, quand j'achèterai le nouveau champ, bah, je ferai tout en entier. Enfin, je semerai en entier. Voilà, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai pas fait tout ça, non. Mais ouais, voilà. Donc, du coup, je vais. Un multijoueur va bientôt arriver, vous inquiétez pas. Ou, bah, de toute façon, il va arriver avant ou après cette vidéo, voilà. Donc, je vous dis pas ce qu'il y aura. Il va arriver avant ou après, je sais pas trop. Voilà, donc ce sera tous les mercredis, comme j'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière. Tous les mercredis. Ah oui, j'ai acheté une nouvelle benne aussi. Ah oui, c'est vrai. Donc allez, on prend le petit massé. Enfin, le petit, je dirais le grand massé, parce que en fait j'ai deux massés. J'ai pas fait gaffe. J'ai le petit, le 5000 et des brouettes. Et celui-là, c'est le 8737, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Bon, je vais vous faire quand même l'autre champ, hein. Voilà. Je suis désolé, mais je vais vous le faire quand même. À moins que. Les ouvriers, ça travaille pas bien, moi, je trouve. Est-ce que je le fais ou pas? Bon, après, j'ai déjà regardé le prix de la massée. Je voulais faire une ferme totalement massée, ça pourrait être sympa. Et vu le prix que c'est, bon, c'est un peu cher. C'est 380 000 euros. Bon, tu me diras, je vais peut-être acheter la barre de coupe à maïs, sur celle-là. Comme ça me fera une petite barre de coupe à maïs, je pourrais commencer à en faire. Voilà. Mais je pense que je me l'achèterai après avoir fait le champ. Puis le maïs, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Et le maïs, je le ferai, mais je pense que je le mettrai en silo. Parce que si je le mets en silo, c'est pour le garder après pour les cochons. Parce que j'ai combien en silo? Blé, j'ai plus que 9000, 2000 de betterave et 10 000 partout sinon. Oula. Ouais, franchement, moi je la trouve pas mal du tout. Voilà, donc ça c'était pour la moissonneuse. Donc, du coup, bah je l'ai acheté. Bon, j'ai acheté sa barre de coupe, comme vous avez pu le voir. J'ai acheté, voilà, j'ai acheté plein de choses. Voilà, donc j'ai pas tout mis dans le off, bien sûr, mais bilan, ça fait beaucoup d'achats. Alors, dans le titre, si je devais mettre achat de ça, de ci, de ça. On n'en finirait pas. Bon, voilà, donc on va se lâcher là-dessus. Hein. Hop, je vais juste finir de prendre ça. Je vais ramasser les bottes. Je vais donner aux vaches parce que je donne pas aux moutons. Oh, j'ai pas envie de produire de laine. D'ailleurs, niveau laine, je crois que je suis à 0. Merde, c'est la garce. 0-0, 10 cochons. 10 moutons, pardon, 31 cochons, ouais, c'est ça. Ouais, 72% de bail. Là, je vais en avoir encore. Les vaches, pardon, 15% et j'ai 1% de lait. Ah, vraiment? Oh, j'ai que dalle. Attendez, j'ai que dalle en lait. Mais j'ai que dalle. Désolé, mais j'ai vraiment mieux. J'ai laissé nada en lait. Bon, je vais aller vendre quand même. Voilà, j'ai. Ah, c'est. Je produis un peu de lait. Voilà, donc si jamais vous avez un problème sur ce jeu et vous ne savez pas comment le faire, bah, n'hésitez pas à me le mettre. Voilà, je me ferai un plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne. Quitte à vous faire un tuto.
Après, bon, bah du coup, j'avais des projets sur les. Sur les. Comment dire. Les multijoueurs. J'allais faire, bien sûr, parce que voilà, un petit projet, ça fait toujours plaisir. Et un de mes projets premiers, c'était de faire une déforestation totale de la map. Donc, en gros, ce qui veut dire, bah, couper tous les arbres. Ça, voilà, c'est un vocabulaire que tout le monde peut comprendre. Mais ouais, c'était de couper tous les arbres. Donc là, je vais prendre le grain, je vais aller le vendre au port. Oui, parce que j'ai trouvé la technique aussi. Bon, ça, je vous donnerai. Bah, je vais vous la donner. Une petite technique. Quand vous jouez en solo, vous avez les missions qui apparaissent avec le petit 1 ou des petits trucs comme ça. Dès que vous avez, par exemple, le blé, quand vous commencez au départ, vous avez du blé à vendre à tel ou tel endroit. Vous pouvez remplir cette grosse demande. Vous faites oui. Et après, vous allez vous quitter le solo pour jouer en multijoueur. Et le chrono, il s'arrête. Ce qui vous permet d'y aller tout le temps sans avoir forcément la mission. Bon, après, l'inconvénient, c'est que t'as plus les missions de 20 000 par remorque. Oh, excusez-moi. Mais celle-là, c'est l'équivalent. Elle est vraiment bien, celle-là. Voilà. Bah, de toute façon, je vais vous montrer. Hein. Voilà les prix. Vous regardez le blé, c'est la première colonne. Et deuxième, c'est en bleu. Voilà, c'est en bleu quand c'est amélioré. Donc là, je suis à 3 000 le litre net. Ah, c'est un bon tracteur celui-là. Il a quand même 400 HP si je me trompe pas. En puissance, c'est plutôt bien. C'est le deuxième meilleur, c'est ce que je sais. Regardez, là, je suis à 13 898. Et là, je vais monter jusqu'à 50. Ouais, bah, presque 50. Donc, presque 30 000 juste avec une moitié de remorque, quoi. Sachant que la remorque, elle fait du 21 000 tonnes. 21 tonnes, pardon. Donc, on va dire qu'on était à 10 tonnes. Quand 10 tonnes, 30 000 euros, quoi. Moi, je dis ça va, franchement. Que quand t'as tous les champs de la map, tu remplis une remorque entière, t'es du camion là qui a 48 tonnes. Mec, tu te fais un malin. Plaisir d'aller y vendre ça après. Voilà, donc du coup, le champ, bah, j'hésitais entre deux champs. Voilà. Donc j'hésitais entre deux champs. Bon, voilà, donc, si vous pouvez voter, ça m'arrangerait comme vous avez fait pour la Rostel Mash. Bah, vous mettrez un ou deux dans les commentaires, mais je vais vous présenter quand même les champs. Ce sera pas mal. Donc, les champs. Donc, il y a un champ, ce sera celui-là. Voilà. En 1, et celui-là. Pardon. En 2. Voilà, donc 1 et 2. Voilà, donc je pense que j'ai du mal à choisir en fait. Parce que j'aurais tendance à plus prendre celui du haut. Mais après, voilà. Voilà, je suis un expert en matière de ranger les remorques. Donc voilà, bah lui il a fini. Bah tiens, j'allais vendre un peu de lait avec lui. Peut-être que la cuve était pleine quand même. Ah, elle était peut-être déjà à peu près. Non, pas du tout. Bon, pour 9%, est-ce qu'on va vendre? Bon voilà, donc vous allez là pour le TPR de lait. Bah qu'est-ce que je vais. Ah, mais je vais acheter quelque chose. Tiens, avec vous, allez, ça va être bien. Je vais acheter bah, une technique. Ah non, je voulais acheter celui à 77 piles. Bah. Je pense que ce qu'on va faire, bah, je vous retrouve dès que j'ai 77 000 euros. Voilà, ou au-delà. Pour acheter. Alors, c'est quel ce mois? C'est moi. C'est quel truc de technique? C'est. C'est CA Josquin. Parce que j'hésite en fait à acheter soit celle-là, soit celle-là. Parce qu'elles sont au même prix en fait. Elles se revendent pareil, mais elles ont. Elle a le double de portée chez celle-là. Et donc, du coup, j'hésitais entre les deux. Mais je pense que j'ai plutôt parti sur la Justin. Donc, voilà. Donc, je vais retrouver dès que j'ai 77 000 euros.
Bon, on est de retour, bah, comme vous pouvez le voir, bah, je suis au shop. Voilà, au shop. Et bah j'ai acheté, bah finalement j'ai acheté la grosse. Parce que j'ai déjà une partie sur mon portable. Et du coup j'ai pu tester, voir comment le massé se comportait avec bah, celle-là. Je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs. Attendez, je vais voir. La Strothmann. Excusez-moi pour le, si j'ai écorché le nom. Strothmann, voilà. Il se comporte plutôt bien avec. Il va à 10, ouais, 18 km/h, je crois, quoi. Quand on l'utilise. Et j'ai trouvé ça, bah, par rapport à la Josquin, comme ils ont le même prix, bah, je me suis dit autant prendre déjà la plus grosse. Voilà, donc elle est pas mal, je la trouve sympa, elle est assez sympa. Youp. Non, franchement, je m'attendais, ouais, enfin. Je me suis dit, ouais, le massé, il va pas être bien se comporter avec. Voilà. Donc, du coup, bah, ce que je vais faire, bah, je vais aller chercher, du coup, du fumier. Et, bah, la remplir. Tout simplement. Bah, normalement, j'avais dit, bon, je retrouve dès que j'ai 77 000, mais bon, je préférais de suite l'acheter. Voilà. Il me reste 36 000 euros. Voilà. Qu'est-ce que je devais acheter? Ouais, je pense que j'ai acheté un nouvel épandeur aussi. Enfin, l'épandeur à engrais, je vais acheter le plus grand. Parce que le petit là que j'ai, oui, il commence à être chiant. Va falloir aussi que je pense acheter un déchaumeur aussi. Oh là là, ça va être casse-couille. Ah bah oui, il y a mon petit massé qui est déjà là. Attendez, je vais l'enlever. Oh, il hurle hein, quand même. Je vais prendre la grosse tête. Alors, du coup, bah, dans cet épisode, on a fait beaucoup d'achats. Hein. On a acheté. Oh la vache, elle a vidé. Elle a vidé. Non? Et j'étais à 58, hein. Je suis remonté à 28. Ah, pourquoi c'est lui qui m'a. Ah, je veux lui, moi. Voilà, le plus gros des massés. Moi, ouais, j'ai une ferme 100% massée à part à la moissonneuse, mais voilà. Ah oui. Ah d'accord. Il a beau avoir trois essieux, mais. D'accord. Et bien il va pas vite quand il tourne. Ah, du coup ça va être chaud pour sortir. Ouais, je vais prendre large. Oula, ouais, je suis descendu à 45 là. Ah ça douille. Bah du coup on va retourner à la ferme et je vais épandre un peu de merde sur les champs. C'est le cas de l'olive. Un peu. Et bien là du coup. Je me fais pas mal de blé. Bah, je pense que dans le prochain épisode, je vais pas vous promettre des choses parce que j'ai commencé à promettre des choses. Je les faisais pas forcément. Donc là, ce que je me dis, bon, bah voilà, dans le prochain épisode, je vais essayer, c'est mieux comme ça. Alors, démarrer. Ah oui, d'accord. Donc il lève la trappe. Bon, désolé, c'est un peu dans le noir. Ah oui, ah, ça fait. Voilà, c'est assez bien fait quand même l'animation. Ah oui, mais. Tu finis le champ en moins de deux en fait. En deux allers-retours. Un aller-retour. Ah oui, d'accord. Non. Bah, il a fini. Pardon, excusez-moi pour cette vue de merde. Bah, si. Il est fini. Voilà, deux allers, un aller-retour. Bah, c'est pas mal. Eh. Ah, ouais, mais je suis en train d'étaler de la merde sur la paille et ça, c'est pas correct. Oh, quel con. Moi, c'est pas grave. Ça m'asserait de la paille avec de la merde. On dira rien. On n'a rien vu. Oh merde, comment j'ai fait? Bon, ça va, on va. Hein. Moi, je dis, j'ai bien fait de prendre celle-là. Et elle est déjà mieux que la Josquin. Celle-là, elle fait du 24 de largeur. Attends, c'est ça. Et celle-là, elle fait du 12. Elle fait deux fois plus. Hein.
Par contre, ah, c'est bien fait quand même l'arrière comme ça. Quand ça éjecte, bon, je suis à 80%. Ouais, d'accord. Ouais, non, tu connais pas. Voilà. Et ben, c'est génial. Moi, je dis. Moi, je dis, elle est super bien. Bon, je vais aller la remplir quand même un peu. Voilà, donc du coup, ben, je pense que je vais vous laisser là-dessus quand même, les petits potes. On va se laisser sur une bonne chose, un bon achat. Ça fait beaucoup d'achats, attends, ça fait moissonneuse, tracteur, semoir, j'ai acheté aussi. Voilà. Donc, ouais, si, ça fait pas mal de choses. Moi, je vais la laisser où? Ouais, je vais la laisser où? Là, quoi. Ouais, je la mets dans le haut, je sais pas, je sais pas. Ouais, il y a quelque chose dedans, quoi. Ouais, je vais la mettre dans le haut. En fait, je sais pas où la ranger. J'ai déjà pas mal de trucs, non? Le ranger dedans. Oh, ça devrait pouvoir rentrer là. Non, ça va pas rentrer. C'est quoi le semoir que je devrais mettre à l'extérieur? Ouais, ça manque de hangar. Non, pas trop, pas trop. Pourquoi pas trop? Il y a le poteau aussi. Donc. Voilà. Bon, ben, on va se laisser là-dessus. Voilà. Donc, prochain épisode, sûrement l'achat du. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, soit le champ A, ici, soit le champ 2, ici. Voilà, donc je vous mettrai les numéros, vous mettrez ça dans les commentaires, celui que vous voulez. Voilà, donc moi je partirai plus sur le champ 2, mais à vous de voir. Voilà. Bon, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un like. Et bien sûr, à partager cette vidéo. Voilà, donc salut!